la veille, les gars, de cet événement que vous êtes allés chercher. Dernière séance. Vous n'avez rien à nous prouver ce soir. Votre talent, on le connaît. Autrement, vous ne seriez pas là. Donc c'est de la gestion individuelle par rapport à la demi-finale il y a deux jours et la veille d'une finale. On va faire d'abord une séance assez courte, évidemment, pour ne pas puiser dans les réserves. C'est surtout... Travailler dans un premier temps avec Johan sur un petit peu de vivacité, voilà, travailler un peu de la vitesse de réaction, ensuite un travail technique et ensuite très vite la mise en place de l'équipe par rapport à demain, par rapport à l'Allemagne. Donc on va travailler à la fois l'animation défensive et l'animation offensive pour avoir les derniers réglages avant cette finale de demain. On est tous excités, on est tous impatients, ça fait un moment qu'on l'attend. Maintenant on est en finale de l'Euro et on est tous concentrés et demain on va être sérieux, concentrés. On les appuie à droite, à gauche, à gauche, on pivote, à droite, chassez-vous. On a cherché à remettre le camp en route, après on a continué sur une mise en éveil avec un petit jeu de réactivité pour tout le monde. Ensuite on a fait deux groupes. Un groupe plutôt orienté technique pour ceux qui ont beaucoup accumulé de temps de jeu et un groupe plus sur de la vivacité. Comme d'habitude en veille de match, un peu de vivacité puisque hier c'était journée coupure et pour Paul et pour Matisse, donc retour au spé gardien mais à base de vivacité, et puis ce qui a pris de l'importance maintenant c'est le jeu au pied pour que le gardien soit à l'aise le lendemain au match. C'est important parce que c'est beaucoup de mise en place. On essaie de se préparer au mieux pour pouvoir contrer les Allemands. Et du coup, bah, on prépare nos tactiques. Et voilà. Et puis c'est une séance aussi qui nous permet de nous remettre dans le bain parce que hier on a eu une journée de récupération. Donc ça nous a permis de retoucher un peu du ballon et de pouvoir avoir de bonnes sensations avant le match. À droite, pivote. À gauche. Ouais, c'est toujours à la fois c'est une dernière qui doit, je l'espère, donner encore plus de confiance au groupe, peaufiner les derniers détails, puisqu'on sait que demain, voilà, tous les détails seront importants pour gagner la finale. Donc voilà, mettre en confiance les joueurs, c'est le principal. Voilà. Et puis qu'ils repartent de cette séance avec le plein de confiance. Hop ! Petit. Ah, pas plus. Tous les voyants sont au vert, on a bien récupéré. Les joueurs qui ont eu un peu moins de temps de jeu ont très bien travaillé. Ils sont restés rigoureux, donc on peut compter sur les 20 joueurs. Sur le quart de finale, on a réussi à marquer... à la 88e et en demi-finale a marqué dans 3 buts sur le dernier quart d'heure, donc je pense que physiquement on est prêt pour durer jusqu'au bout et aller au combat. Les messages seront plutôt demain lors des causeries, l'analyse des pénalties bien sûr au cas où, et puis voilà, le restant on fera nous-mêmes une série de pénalties qui les mettra un peu dans situation. Rien de... surtout ne rien changer, ne pas bouleverser leurs habitudes. C'est un jour très particulier. Il y a ma famille qui va venir pour la première fois du tournoi. Donc ça va me permettre de pouvoir les voir. Et puis ouais, c'est aussi particulier parce que c'est une finale d'un championnat d'Europe. Hein. Tout le monde rêve de ça, je pense, tous les jeunes. Donc je suis très heureux de pouvoir vivre ça et je pense que tout le monde est très heureux de pouvoir la vivre aussi. Force, voilà, cherchez loin l'appui. Présenter la France déjà, c'est une grande fierté, un grand plaisir. Et voilà, ça, toute la France nous regarde, nos familles, nos proches, nos amis, tout le monde nous regarde. Ça veut dire ça fait extrêmement plaisir. Et voilà, on va tout donner. Représenter la France, notre pays, ouais, c'est une grande, grande, grande fierté. Et on espère pouvoir battre les Allemands et rentrer avec la coupe à la maison.